La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, 15e édition qui a débuté à Boaké le jeudi 6 juillet 2023, a connu son apothéose le mercredi 9 août. Ce sont donc au total 35 jours de croisade qu'a effectué l'église de Boaké. Pendant ces 35 jours, le pasteur Tchokinelmon a exhorté les saints à renverser les idoles de leur cœur, mais aussi à pratiquer le bien. Cette dernière recommandation a été pleinement suivie par les frères. Poussons certains frères à rendre grâce à Dieu pour les dons qu'ils ont reçus. Ayant le fardeau du salut des âmes et surtout des membres de leur famille, les saints de l'église de Boaké ont mis tout en œuvre pour inviter leurs parents, amis et collègues qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas résisté à l'appel du pasteur à donner la vie au Seigneur Jésus. Ainsi, pendant cette croisade, ce sont 126 personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Parmi elles, 52 ont été conduites à la vraie repentance aux eaux du baptême. Cette 15e édition du renversement des principautés personnelles et familiales à Boaké a connu une mobilisation exceptionnelle. Au moins 500 personnes étaient présentes chaque jour aux tombes de l'église pour renverser les principautés, avec un record de 838 personnes pour le dernier jour. Les semeurs, quant à eux, ont comme à leur habitude sémé la parole de Dieu avec des chants qui ont conduit l'assistance à se lever pour chanter et danser à la gloire du Seigneur. La prière a été au rendez-vous de cette édition du renversement des principautés personnelles et familiales. Le pasteur Tchokinelmon a conduit les saints dans des prières de combat, de supplication et d'intercession fervente pour détruire les œuvres du diable. Nous disons maladie, 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 esprit méchant, derrière les maladies. Nous vous chichons, allez-vous-en, chantez, libérez. Au cours de ces prières, plusieurs démons se sont manifestés et ont été chassés par une équipe de délivrance dynamique. Au total, plus de 100 cas de délivrance authentique et 89 cas de guérison de diverses maladies ont été recensés. Les saints ont tenu à glorifier le nom du Seigneur pour ses délivrances et guérisons qu'il a opérées au milieu de son peuple. Ainsi, pour cette édition, 864 témoignages de guérison, de restauration, de protection et d'action de grâce ont été rendus. Je suis la sœur Bouraya Sabine. J'ai approuvé des disciples Maman Yoba Cécile. Je vais infiniment reconnaître le Seigneur. Lui m'a délivré des boutons. Il faut dire qu'à l'âge de 12 ans, j'ai constaté des boutons autour de mon cou. J'ai même dit à maman, elle dit, à ton naissance, quand tu étais bébé, les boutons étaient sur toi. Donc, la dernière fois, j'étais assise. J'étais assise, les enfants ont leur témoignage. Ils disaient, j'avais mal au ventre. J'ai dit à ma mère, m'a dit, impose-toi les mains, tu vas prier. Les grands ont rendu témoignage, même chose. Ils sont arrivés à mes yeux, ils sont m'assois. J'ai mis ma main autour de mon cou, commencé à prier. Dieu, si la maladie ne vient pas de toi, lave mon sang et puis vois ces gens de maladie, ces gens de boutons. La dernière fois, j'étais assise. Le monsieur a commencé à rendre un témoignage. Il dit, hey Seigneur, je n'ai plus de témoignage, je vais faire comment?
Une voix me dit, touche ton cou, tu vas voir. Je touche mon cou est lisse. Je bénis le nom du Seigneur, lui m'a délivré des boutons. Que l'honneur, la gloire et revient à lui seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Sié Soulange. Il y a pour faire des disciples, le pasteur Oufoué Jules. Vraiment, je voulais dire merci au Seigneur. En tout cas, qui a opéré un grand miracle dans ma vie. Faut dire que j'étais à Sakassou avec mon époux, qui était éducateur, qui a passé un concours, il devient inspecteur d'éducation. Et un matin, il est parti, on ne sait pas où il était. On ne sait pas où il était. Donc, j'étais avec les enfants dans la maison. Eux, vraiment, n'arrivaient pas à payer la maison. Et le propriétaire a dit de quitter la maison. Donc, je suis venu à Boaké. À Boaké, mon oncle aussi ne voulait pas me voir. Donc, je suis reparti à Oumé. J'étais chez ma grande sœur. Et là-bas encore, vraiment, c'était encore difficile. Vraiment, j'étais désespérée. Et j'avais une tante qui était à Boisseau. Elle était dans une église catholique et elle m'a donné le numéro d'une maman qui a la CMCI. En tout cas, c'est la maman qui m'a recommandé à un missionnaire de Oumé. Et de là, vraiment, je venais encore sur Oumé. Par exemple, ma grand-sœur a dû revenir à Boaké. Donc, je suis venue à Boaké. Donc, le missionnaire m'a recommandé le pasteur Oufoué. Donc, c'est là, en tout cas, j'ai fait ma repentance, mon brisement de liens. C'était comme ça. Hein. La croisade 2022, vraiment, le Seigneur a opéré le miracle. Par exemple, dans mes 10 sujets, j'ai demandé au Seigneur que vraiment, je veux retrouver mon mari. Et aussi, vraiment, que, en tout cas, il protège son travail. Vraiment, j'ai fait un songe dans le songe. Mon mari était de retour. Il est venu. On était dans une grande maison. Bien-aimé, vraiment, le songe que j'ai fait, ça s'est réalisé. Mon mari est revenu. Mon mari est revenu. Et la grande maison, vraiment, c'était réalisé. On est aussi dans une grande maison. Et son travail, près de 2 ans, que mon mari n'a pas pris poste. Le pasteur, vous pouvez aller voir le proviseur. Le proviseur dit vraiment que lui-même, il ne sait pas. Il voulait mettre abandon de poste pour aller déposer à la draine, mais il ne sait pas. Il n'avait pas eu le courage de le faire. Aujourd'hui, mon mari travaille. Moi-même, je suis à Béoumé, mon mari. C'est à cause du témoignage que je suis venu. Donc, je voulais dire vraiment merci au Seigneur. Amen. Amen. Moi, c'est la sœur Kone Aminata. Je viens de Dimokro. Mais en physique, je viens de Dimokro. Mais spirituellement, je viens de loin. Parce que, vraiment, j'ai fréquenté des communautés passées. Mais ça n'a pas abouti à quelque chose. Jusqu'à ce que le frère qui est à côté de moi filmait. L'autre fois, il a rendu son témoignage. Il est juste là. Me prêche l'évangile de la repentance. Il m'a parlé aussi qu'il doit briser ses liens qui vraiment m'empêchent de venir à Christ ou bien de m'engager ou d'être véritablement un enfant de Dieu. Faut dire que c'est pas facile parce que ces liens-là, quelquefois où tu te trouves là, ils pensent que où tu es là, c'est mieux. Mais avec beaucoup d'efforts, même m'a confié de Dimokro, il m'a confié à un frère, un dirigeant de là-bas. Mais je ne suis pas allé à l'église. Mais quand il m'a dit qu'il y a une croisade ici, j'ai dit bon, à cette croisade-là, il va me dépêcher pour venir. C'est ainsi que quand j'ai fait mon programme, je voulais venir. Tous mes enfants étaient malades, mes 3 enfants. J'ai dit ça, vraiment, ça ne fait que commencer. Mais ça, là, je vais partir. Donc, je les ai mis sur traitement, j'ai fait les traitements, ces traitements sont finis. Le peu d'argent que aussi j'avais, je l'ai laissé et puis je suis venue. Faut dire, quand je suis arrivée, j'ai trouvé vraiment l'amour fraternel. L'amour fraternel, vraiment, sincèrement. En tout cas, c'est pas comme ça dans toutes les communautés. Vraiment, on approche facilement les frères, les mamans, j'ai constaté ça. Donc, je voulais dire vraiment merci à Dieu. Pour le corps pastoral, pour vraiment le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon, aussi, on m'a confié à Papa Adou, qui a fait ma repentance vraiment totale. J'ai eu à faire la repentance avec lui. Il a fait le brisement de liens. Même pendant le brisement de liens, vraiment, je sais que le Seigneur m'a visité.
Il a mis vraiment son cachet sur moi. Donc, je sais que désormais, je ne suis plus seule, que vraiment, j'ai su qui m'adosser, j'ai su qui compter. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, de là encore, aujourd'hui même, j'ai décidé de faire le baptême parce que je ne considère pas les autres baptêmes là. Parce qu'on ne m'a pas prêché comme il le fallait pour que j'accepte d'être baptisée. Donc aujourd'hui, je me suis baptisée pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. We'll be right back.